Bon, je vous donne quand même mon ressenti parce que là, hier, j'ai terminé Last of Us première partie. Là, je suis en train d'attaquer le 2. Bon, c'est un chef-d'œuvre. Le 1, c'est un chef-d'œuvre. Le 2, on va voir ce que ça donne. Mais c'est dommage, moi, je voulais jouer avec l'ancien, la Joël, tu vois. Là, ils m'ont mis une meuf, frère, la tête de ma mère, les bras qu'elle a. Elle a des bras, frère. Elle, j'aimerais pas me fist. Tu sais, genre, ah, viens, chérie, on va tenter un truc. Donc, bon, en tout cas, Last of Us. Bah, je suis stressé parce que j'attends quand même l'appel de l'hosto là pour le chat, voir ce qu'on fait, tu vois. Donc il faut que je pense à autre chose. Franchement, Last of Us, c'est un vrai délire. Donc vous en faites pas parce que je reçois plein de messages depuis tout à l'heure. T'as des nouvelles du chat, tonton, si ça. Donc j'ai vraiment pas de nouvelles. Une fois que j'en aurai, évidemment, je vous dirai ça à la famille. Ok? Bon, la famille, j'ai eu l'hôpital au téléphone. Et du coup, donc le chat, en fait, il a une infection. Ils hésitent entre la toxoplasmose et un autre truc. Donc bon, déjà c'est une bonne chose, il n'a pas de tumeur, il n'a pas d'autres trucs. Mais donc là ils lui ont fait l'IRM, ils lui ont fait des examens, ils vont lui donner un traitement. Là ils le gardent hospitalisé pendant 2 jours pour voir comment il réagit. Soit il réagit bien au traitement et dans ce cas-là bah, c'est cool parce qu'il pourra récupérer la capacité de ses pattes arrière. Soit dans 2 jours ils disent qu'il n'y a aucune amélioration et là c'est mort. Éventuellement penser à le faire partir parce que c'est pas une vie, enfin c'est la médecin qui me l'a dit d'ailleurs, et moi je suis de son avis. C'est pas pour un chat qui a près de 10 ans, c'est pas une vie de rester paralysé comme ça, quoi. Donc du coup, voilà, je vous tiendrai informé d'ici 48 heures, la famille. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain.